En février dernier, Patrick Balkany annonçait sur Knew que son épouse souffrait d'un cancer du pancréas. Alors qu'Isabelle Balkany fait face à son deuxième cancer, il y a un an, un cancer du poumon lui avait été diagnostiqué, la femme politique se montre combative et a décidé de se confier au micro de Jordan de Luxe dans son émission. L'occasion pour elle d'aborder un panel de sujets, notamment le terrible accident de la route dans lequel Pierre Palmade est impliqué ou encore le montant de sa retraite. Mais au détour d'une photo, Isabelle Balkany a évoqué une amitié de longue date. Alors que l'épouse de Patrick Balkany a confié à son père des photos relevant de sa vie privée, elle évoque en toute transparence sa relation avec celui-ci ou encore avec Nicolas Sarkozy. À l'écran, on voit l'ancien président de la République prendre la pose aux côtés d'Isabelle Balkany. Une photo qui vaut mille mots, mais celle-ci évoque les relations que sa famille entretient avec Nicolas Sarkozy. C'est mon petit frère, nos enfants sur trois générations se côtoient, explique Isabelle Balkany au micro de Jordan de Luxe sur C8. Le journaliste évoque l'épouse de celui-ci et Isabelle Balkany révèle que Carla est l'une des seules à être venue à l'hôpital. Supérieur à Isabelle Balkany, Édouard Philippe. Ces politiques qui ont révélé ou caché une maladie, si vous saviez l'humour qu'elle a. Un geste qui a visiblement touché la femme politique qui ne tarit pas d'éloges sur celle qu'elle considère comme son amie. Carla est une femme non seulement belle, mais aussi extrêmement intelligente et talentueuse. C'est elle qui écrit ses chansons, déclare avec beaucoup de sincérité Isabelle Balkany. Et aux yeux de cette dernière, la liste des qualités de la chanteuse et mannequin est encore longue, mais elle conclut en expliquant qu'elle adore Carla parce que si vous saviez l'humour qu'elle a. Le couple Balkany peut compter sur le soutien sans faille de Nicolas Sarkozy et de Carla Bruni. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran, chez Jordan C8.